temps à l'heure et du coup je voilà. Je me pose un petit peu et je le fais. Peace au live, mais c'est le seul peu de temps libre que j'ai. Bon, je vais essayer de lire. Bonjour, bonjour, bonjour Antonella. Mais écoutez, ça va, merci, merci. Ça va, ça va. Comme un dimanche. Nicolas est au travail. Vous allez nous manquer, mais vous aussi vous allez nous manquer, mais il y a Instagram pour ça. Capté au gré de... C'est gentil, merci beaucoup. As-tu le temps de faire des albums photos pour tous tes enfants? J'en ai deux et trois, je galère. Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai pas compris. Tu veux venir? Coucou. Coucou Samantha, écoute, ça va. Ça va, ça va. Alors, on a arrêté les tournages simplement parce qu'on avait besoin de se retrouver un petit peu en famille. Il n'y a aucun... Il y a Pas quelqu'un qui a dit un d'autres... bonjour du 77. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres raisons à ça. Coucou Nino, les gens, Aiguille. Coucou. Non, le salon n'est pas encore vendu. N'est pas encore vendu. Je pense qu'on va aller dans cette direction-là, mais pour l'instant, c'est pas fait. Tu as l'air fatiguée. Ben, je vous avoue que depuis qu'on est rentré de Paris, on a très peu dormi. Enfin, j'ai très peu dormi. On est surtout en train, c'est pas très long, on n'avait pas plus que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, ça va. Est-ce qu'ils ont tous leur déguisement d'Halloween? Pas du tout. Non, Pas pas du tout, encore. ouais. Pas du tout. Non, il faut qu'on s'y mette. D'ailleurs, j'ai Maï. Qu'est-ce qu'il dit Maï depuis ce matin? Je Je veux vais faire creuser la la citrouille. citrouille. Le problème qu'il y a, c'est que je pense que je vais suivre vos conseils et je le sais en plus. C'est que ça pourrit super vite une fois que c'est coupé et du coup, je sais qu'on l'aura pas pour Halloween. À partir de quand on devient une famille nombreuse? Ben écoutez, en France, à partir de 3 enfants. 3 ou 4, ça dépend. Non, en France, c'est tu es considéré comme une famille nombreuse Quand à t'as partir 3 de enfants. ouais, à partir de 3 enfants. Nino ressemble beaucoup à sa grand-mère paternelle. Qui? Sa grand-mère paternelle. Manitou? Ah ouais? Non, Nino, je trouve que c'est plus mon côté. Tout sympa. Comme ça fait plaisir un live. Sympa, Ouais, je lui. sais. Et si je pouvais. Mais je vous promets que je vais en faire un Non, avec vous Nico. êtes On se le dit très souvent, mais en fait, le soir, quand on couche les C'est enfants, gentil. je vous avoue que je suis une. Super famille, un gros bisou. Je suis une petite poule et je me couche hyper tôt. Il y en a une, elle a dit, vous êtes une de mes familles préférées. C'est vrai, c'est gentil. Maman, tu me dis si t'as pu Amy, il y a voir. quelqu'un, Ouais, ouais. y a quelqu'un qui dit où sont les autres enfants. Amy, Ils sont viens. là. J'ai Alba qui dort Ils sont là. ici. Amy, viens. C'est mon anniversaire, c'est mon rêve de vous rencontrer. Joyeux anniversaire, Lynn. Dis joyeux anniversaire, Lynn. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous êtes une Maman maman géniale, géniale, mais toutes les merci. mamans sont géniales. Nino, Quel quel âge âge? tu as? J'ai 9 ans. Coucou de Paris. Gros Coucou. bisous. Vous êtes ma famille préférée. Plus de microbes pour l'instant, ça va mieux. Ouais, il était beau ce bilan. Très 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 beau bilan. Maman, il dit ça? Pour ça? Oui, j'avais dit que tu étais tombée dans la cour. Amy, es-tu Amy? contente d'avoir eu une petite sœur? Oui.
Bah oui. Très. Est-ce qu'un jour vous pensez arrêter Insta? Ben écoutez, non, pas pour le moment, parce que j'aime partager avec vous. Il y a Tata Julie. Oh. Coucou Tata. Super. L'âge de mon fils. L'âge de mon petit-fils. Vous allez faire quoi de beau cet après-midi? Ben écoutez, il y a Chloé qui va venir déjà pour que je bosse un peu. Et on a des choses à faire ensemble et on voulait creuser la citrouille, mais je pense qu'on va remettre ça à plus tard parce que, comme je vous le disais, ça pourrait vite. Et, C'est gentil. Ils ont dit qu'elle a dit que l'anniversaire des jumeaux était génial. Ouais, c'est un bel anniversaire. J'avais tellement peur de pas être là. C'était compliqué. Hein. Il y en a une, elle a dit, ils sont toujours j'ai beaux, accouché à 36 semaines. C'est gentil. Comment fais-tu pour... Comment fais-tu pour être pomponnée dès le matin? Alors, ce matin, je me suis... Comment je fais? Bah... Je sais pas. En fait, c'est... On prépare le déjeuner aux jumeaux et toi, on ne dérange pas beaucoup. Enfin, bah les jumeaux ne dérangent pas. C'est vrai que je le fais quand... Je peux pas, Amy. Je peux pas. Je le fais quand les jumeaux sont en train de prendre le petit-déj. Nino est l'enfant qui vous ressemble le plus. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Et bon, dites-moi si vous avez un sujet que vous voulez aborder. Quels sont vos projets? Alors écoutez, on en a beaucoup. Moi, j'en ai professionnellement plusieurs. Mais je suis un petit peu superstitieuse et c'est pour ça que je vous dis que j'en parlerai dès que ça aura vraiment vu le jour. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Et voilà, sinon, ben, écoutez, on aimerait finir notre maison aussi. Il faut qu'on change de voiture, toujours et encore. Et non, j'ai pas eu de parcours PMA pour avoir Alba. Il ressemble à son tonton, exactement, tu ressembles à parrain. Ouais. Et en plus, j'aime pas les bananes. Quelle est ta routine de matin pour réussir à gérer le matin? Franchement, le matin, je trouve que cette année, avec l'arrivée d'Alba, on gère beaucoup mieux. Nous, on s'occupe un peu des jumeaux et ensuite, quand t'entends ouais, que ça hurle... Et des jeunes avec les petits, il m'a dit, quand t'entends que ça hurle, tu viens. Non, mais vous déjeunez... c'est Nico qui met les enfants à table le matin. Je vais me préparer. Ensuite, ben, les grands s'habillent tout seuls. Et ensuite, je prépare les petits. Et voilà. Mais on est beaucoup plus organisés avec Alba, je dirais, le matin. J'avais l'impression que l'année dernière... Bon, après, aussi l'année dernière, les jumeaux étaient encore plus petits. Et j'étais enceinte. Donc, j'étais forcément au ralenti. Mais je trouve qu'on gère bien le matin, hein. Et pourtant, l'année dernière, ils allaient tous dans la même école et cette année pas. Donc, où en est le projet de vos piscines? Les gens, il fait mauvais. Il fait pas mauvais, hein. Il fait beau chez nous, hein. On a soleil aujourd'hui. Oh, bah, vendredi, on a ramené le beau temps à Paris, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est super beau à Paris, super beau. Le secret d'une super bonne éducation, franchement, je crois qu'il n'y en a pas. C'est simplement de faire son mieux. Il y en a une qui a demandé, vous voulez d'autres enfants? Oui, plein. Non, c'est pas au programme. C'est pas au programme. Ils n'ont pas arrêté. Olivia, elle a dit, je sais pas de quoi elle parle. Vous ferez un retour dans l'émission. Écoutez, pour l'instant, c'est pas prévu. Attends. On a besoin d'une pause, en tout cas, ça c'est certain. Oui, on va très bien. Enzo. FR1-23. Je suis... Ah, j'ai pas vu. Pourrais-tu me dire ce qu'elle dit que tu as eu? Ah, j'ai pas réussi à lire. Coucou, c'est moi qui est venu te demander une photo au restaurant. Ah, gros bisous. Coucou. Je pense que c'est quand on était avec papy, tu sais. Ah ouais. Ton bracelet, il vient d'où? Ce bracelet-là.